been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away. You're the only thing I wanna touch.
Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past a satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. On the edge of paradise, every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Having the fun. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans notre salle de mariage. Aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés pour que la cour de Johan et Jean connaisse l'intense émotion de cet engagement. Nous allons procéder au mariage de Madame Laure et de Monsieur Johan. Madame Laure Edwige Hélène Jacqueline Picot, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Johan Robert René Chauveau, ici présent. Oui, je dis oui, hein. Je dis oui. Maman, elle dit oui. Alors je dis oui. Elle a dit oui. Tout le monde a entendu? Malgré les masques. Monsieur Johan Robert René Chauveau, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Laure Edwige Hélène Jacqueline Picot, aussi présente. On dit quoi, Mimi? On dit oui? Oui, on dit oui alors. Tu as demandé la permission. Il est bien éduqué. On a éduqué pour. Au nom de la loi, nous déclarons que vous êtes unis dans le mariage. Those walls I built, well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight, they didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. Feel your head.
Thank you.
fait chaud au cœur de voir que vous êtes si nombreux, venus de tous les coins de cette belle France. Laure, et toi, Johan, à cet instant, vous n'êtes que deux jeunes amoureux. Mais quand nous serons terminés, sachez que vous serez définitivement aux yeux de tous, mari et femme. C'est-à-dire liés pour toujours par votre promesse, celle que vous allez devoir faire devant nous tous. Papa, maman. Je suis pas bien rond. Je suis joie. Un bon prénom. De mariage. J'ai demandé. Mon petit cœur. Il fallait. Vous dire. Et tout de suite. Il me souffla. De jolies choses. Je vous aime très fort. Je le dis pas assez, mais je t'aime. C'est vrai qu'on se le dit pas du tout même. Et tu es très très bonne en ton costume. Et je te souhaite beaucoup de bonheur. Laure, même si je t'ai considérée comme ma belle-sœur dès le début, bah alors là, tu fais partie officiellement. T'es très très belle dans ta robe, t'es magnifique. Ouh, pardon, je suis pas comme ça dans le bras. De bonheur à vous, franchement, de très bonheur à vous. Je vous aime très fort. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci d'avoir bravé ce fichu Covid et d'être présent avec nous. Notre fille tellement désirée que nous appelions à lui la merveille du monde à sa naissance. Appelez-moi maintenant. Il fallait s'appeler Charlotte. Laure, tu es arrivée après un épisode délicat où nous avons pleuré une petite vie. Mais au fond du cœur, nous savons qu'il y a plusieurs énergies en toi. Aujourd'hui, on pourrait t'appeler la tornade blanche. Laure, tu n'as pas changé. Petite, tu voulais être mêlée à tout ce que faisaient frères et sœurs. Tu organisais tous tes amis, tes idoles, en voisine et Dorothée. Nous ont donné plus d'une fois des idées de meurtre. Qu'est-ce qu'on en avait mangé? Johan était lui, ton petit, un enfant bien sage, discret, respectueux et déjà très organisé. Cela l'a mené sur une voie qui aurait pu être son destin, l'armée. Heureusement, une rencontre a bouleversé votre destin. Aujourd'hui, tu as trouvé ton prince charmant. Également, et dans cette robe, tu es devenue une véritable princesse. Quand nous te regardons aujourd'hui, nous voyons une jeune femme heureuse et accomplie. En plus, tu as appris à cuisiner, on y croyait plus. Pas de bougard. Je me tourne à présent vers mon nouveau gendre, Johan, qui a le prénom de mon petit-fils. Et oui, c'est si simple. Cela commence à faire un petit moment que nous te connaissons. Et à nos yeux, tu as amplement mérité la main de notre fille. Déjà, tu as eu le courage de nous demander sa main. Tous deux, vous allez construire, c'est sûr, une maison heureuse et bien remplie. Nous sommes fiers de vous et du couple explosif qui est le vôtre, surtout depuis l'arrivée du petit diable qui est venu éliminer vos vies et les nôtres. Ce mariage est vraiment le vôtre, vos efforts constants depuis plusieurs mois. Une organisation implacable, chronométrée, des plannings sévères, source de conflits charmants sont impressionnants, mais pour ce travail. Aujourd'hui, l'échange de vos bagues de mariage était un geste symbolique de confiance mutuelle, vous l'avez déjà. Et pour finir, voici une devise sur la vie à deux. Vivez ce qui est plein, remplissez ce qui est vide et grattez-vous là où ça vous chatouille. Bonne fête à tous et que le souvenir de cette journée reste gravé en vous. Merci à tous. D'abord, je voudrais vous remercier d'être présent pour célébrer l'union de Laure et Johan. Johan, tu m'as demandé de faire un discours. T'aurais pas dû. Tu as vu le jour le 4 avril 1984. Tu étais tout petit et tout brun. Tu étais un très beau bébé. Maintenant, tu es grand et blond. Tu es un beau jeune homme
et tu resteras toujours mon bébé. Tu as fait tes premiers pas vers 1 an et demi et ton premier mot, ce n'est pas maman que tu as dit, mais papa. Comme quoi, ta première bêtise a été que dès que tu as su parler. Tu arrives à la maternelle, la primaire, les années passées qu'on n'a pas le temps de te voir grandir. Puis, ça a été le collège, le lycée. Et quand on se retourne, notre bébé est devenu un homme. Tu es 5 ans dans l'armée et là, je ne te cache pas que ton père et moi, nous avons eu peur pour toi. Allez, allez, allez. Excusez-moi. Tiens, prends celui-là. Pourquoi celui-là? Prends celui-là. Ah bon? Qu'est-ce qui va me faire celui-là? Tu verras. Plus d'une fois, mais c'est du passé. Bien sûr, tu as fait des rencontres. Mais le 18 juin 2014, tu as connu cette jeune fille, Laure. À ce moment-là, on n'imaginait pas que Laure allait devenir notre belle fille. Pourtant, au début, ce n'était pas évident. Elle ne voulait pas d'un copain qui habitait encore chez ses parents et encore moins d'un blond. Regarde maintenant, Laure, tu es mariée à un blond. Et comme je le dis souvent, je l'aime, mon blond. Après 2 ans de vie commune, vous nous avez offert le plus beau des cadeaux. Devinez, votre petit-fils Johan. Il n'y a pas de chance pour toi, Laure, c'est un blond dîner. Maintenant, tu n'as pas un blond, 2 blonds à la maison. Mais je sais que tu les aimes. J'espère qu'il ne sera pas le dernier. Thierry ? Pardon. Alors, Johan, Laure, nous voulons vous dire une dernière chose. Nous serons toujours là pour vous aider, comme dans les bons et comme dans les mauvais moments. Nous vous aimons et nous vous souhaitons beaucoup de bonheur. Et beaucoup de bébés. Je remercie les mariés, Laure et Johan, de me donner la parole en ce jour qui signifie tant d'amour. Ça va me faire pleurer. Laure, voilà 12 ans que nous sommes amis, et pas n'importe quelle année. En effet, rien ne présageait une si belle amitié, au vu des circonstances de notre rencontre. J'ai trouvé quelqu'un qui parle autant que moi. Oui, ça c'est sûr. Oui. Johan, c'est bon le chrono? Laure, tout le monde te connaît ici, simple, souriante, joyeuse, nature, franche, spontanée, tout ce que j'aime. Que dire? Tu as été là pour de grands moments de ma vie, de nos vies, à partager nos joies, nos peines, et tu m'as toujours tenu la main. Toujours tu m'as soutenue comme jamais personne ne l'a fait. Comme une maman, comme une sœur. Permets-moi de te dire chapeau et merci. Comment un si petit bout de femme comme toi peut être si forte, si déterminée? Bon, depuis que je connais ta maman, j'ai compris. Merci d'être mon amie, merci d'être toi, merci de faire partie de ma vie. Aucune autre amitié ne peut égaler la nôtre, car même à distance, tu es là. Même à distance, rien ne change. Merci pour cet honneur que d'être ton témoin de mariage. Merci pour ce bonheur partagé. Tu sais combien cette place est chère à mon cœur. J'espère qu'à ce moment précis du discours, je n'ai perdu personne en route. Ou encore que j'ai toujours du maquillage à mes yeux pour assurer jusqu'au bout de la nuit. Mais avant, je voudrais dire aussi merci à Johan de prendre soin de mon ami, de nous laisser nous téléphoner quand on veut. Car ça fait partie aussi de ça, prendre soin d'elle. Toutes les heures, quoi. Vous êtes pas loin. Jusque là et encore bien des années. Ça, je vous le souhaite de tout cœur et je n'en doute pas une seule seconde. Je n'ai rien à justifier à propos de ta femme. Tu as vu l'emballage et découvert le cadeau, et quel cadeau unique. Je vous félicite et vous souhaite une vie d'époux et famille. Vive les mariés. C'est pas tous les jours que l'on marie son pote. Pour la compagne d'une campeuse dans ce match. Surtout quand on est témoin de HK, ancien militaire, hein, tout le monde va te le dire, qui a pour mot d'ordre rigueur, organisation, planification millimétrée à la minute près. Non, il aime... non. Donc il aime tellement tout gérer qu'il aurait voulu aussi planifier son enterrement du garçon, mais non. Tu as subi. Un peu, ouais.
Donc Johan, toi et moi, on se connaît depuis 10 ans. Tu as été un grand soutien, tu as su m'écouter, me rassurer quand j'avais des doutes. Et surtout, nous partageons des étranges talks, nous sommes seuls à connaître. Notre amitié est sincère et je remercie Laure de nous faire confiance et d'avoir su comprendre cette relation amicale qui nous lie. Je suis heureuse pour toi, je te l'ai déjà dit, mais jamais exprimé devant vous deux. Vous faites partie de ces couples qui donnent l'impression de se connaître depuis des années, que rien ne séparera et que chaque épreuve consolide. L'arrivée de Johan aussitôt vous aura permis de vous souder et de vous connaître dans l'appréhension des difficultés. Je n'étais donc qu'à moitié surprise lorsque vous m'avez annoncé votre mariage et aujourd'hui, apprêté, rayonnant, les regards remplis d'amour, assis l'un à côté de l'autre, confirme cette évidence. Nous pouvons vous souhaiter que le meilleur et la réussite pour votre couple. Partage, respect, soutien, écoute, famille et amis, amour aussi, sont les mots qui me viennent à l'esprit quand vous prononcez vos prénoms. Je ne vais pas m'étendre davantage au risque de pleurer. Les personnes présentes aujourd'hui autour de vous partagent le même avis que moi, j'en suis sûre. Laure Rachka, je vous souhaite de belles années de bonheur à vivre ensemble, plein d'espoir pour vos projets, plein d'amour avec nos amoureux. Et n'oublie pas, copine, si des chiens, appelle-moi. Petit poulet. Hier, aujourd'hui, pour la vie, je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai, d'un amour incommensurable. Jamais le temps à tes côtés ne paraîtra assez long. Tu te souviendras de cette journée comme une promesse pour l'éternité. En ces lieux, je place au creux de tes mains cet anneau, symbole de notre amour. Moi, Johan Chauveau, fais de toi, Laure Picot, ma légitime épouse, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et la pauvreté, dans la joie ou le chagrin. Je t'aimerai, te chérirai, tant que durera notre vie. Notre premier contact a failli être fatal. Je n'aimais pas les blonds. Je t'ai jeté. Mais tu as insisté. Et puis, il est vite devenu évident que tu étais celui que j'attendais. Évident que je voulais faire un bout de chemin d'au moins 50 ans avec toi, voire plus. M'engager à ton côté est tellement facile. Tout est facile ensemble. Même si parfois, souvent, même, c'est explosif. Et en plus, nous sommes accompagnés par le plus beau cadeau de notre vie. Mimi Cascadeur, l'âme blond, je l'aime. Aujourd'hui, je veux montrer à tous la joie, l'amour que j'ai envers l'homme qui m'accompagne et l'ambition que nous avons pour avancer avec des projets communs. Merci mon amour pour cette vie qui nous attend. Je t'aime. Eh bien. C'était la chaîne. Thank you.
Papa, maman. Oui, Mimi. Mimi, on veut t'épouser. C'est pour toi. Madame, on te la met. Tu mets à ton doigt. Elle est mise pour moi. Tu mets à ton doigt. Comme les mariés. Génial. Génial. Non, elle est timide. Génial. Oui, papa aussi. Comme toi. Tous les trois. T'as vu? You are.
No, you won't. Until you try. You'll never feel happy. Shalom, in the shalom, shalom, shalom.
Que je n'imagine jamais.
Donc un grand merci à tous.
Et ça vient de Belgique, de Paris, de Reims. Marseille. Oh. Et exceptionnellement pour hier. Perpignan. Voilà. Et j'en oublie. Merci à tous. Merci, ouais, Marc, représente. Merci à tous. Merci à, aussi à la famille, surtout. Et ça fait un bail qui nous supporte. Les témoins à qui on met une légère pression de temps en temps. Au DJ. Au DJ. C'est vachement, t'as du bon boulot, on peut l'applaudir. Merci. À sa compagne qui l'aide beaucoup aussi. Elodie. Merci à tous. Et je dois l'oublier, je m'en excuse, on s'en excuse. À tous les prestataires qui ont travaillé pour ce mariage, merci. Prestataires aussi en parallèle, merci à tous, Thomas, vidéaste, la photo, à tout le monde. Et puis on va bien manger. Merci d'être là. Et après on va faire la. Le dernier de la soirée. C'est chaud, mais on va pas aller dehors. Deux secondes. Du coup, je voulais faire un petit discours avant les mariés. Donc, je suis Nicolas, le deuxième témoin de l'UREF. Ouais. Bah, du coup. Salut, ça va? Donc, je commencerai déjà ce discours par une petite attention aux mariés. Laure, Johan, pardon. Allez, Johan! Attends, ça va arriver, t'inquiète pas. J'ai été ravi lorsque vous m'avez annoncé que je serais le témoin à votre mariage. Mais pour autant, je l'étais beaucoup moins lorsque j'ai reçu l'encyclopédie avec 12 exemplaires pour toute la procédure à suivre. Parce que bon, on a reçu quand même un truc. Le bouquet final a été donc l'annonce du discours parce que je ne suis pas forcément à l'aise de discuter devant tant de personnes. Donc pour m'aider dans ce discours, pardon, pour m'aider pour ce discours, je vais vous demander de m'aider un peu. Je vais vous demander en fait de chanter avec moi une petite musique. En fait c'est une petite musique que Johan affectionne énormément et qui chante tous les matins dans son camion avant d'aller au boulot. Donc Johan, cochon, t'es prêt? On chante ta petite chanson que tu adores et que tu écoutes tous les matins. Et notre amitié, malgré parfois des moments d'absence, n'a cessé d'être présente et de grandir. Nous avons vécu de très bons moments ensemble. Je ne vais pas citer le nombre d'apéros parce que en fait, à chaque fois qu'on se voit, c'est des apéros, on picole. Donc en fait chez moi, Johan égale apéro et après citrate de bétaïne, hein, parce que bon, faut s'en remettre après derrière. Pardon? Ouais. Mais moi j'avais pas bossé le lendemain. J'ai mis 3 heures pour faire Emma, le Kellar Avignon, mais tout va bien. Un peu, ouais. Mais le chien nous a aidés parce qu'on a fait 3 fois le tour du village quand même. Hein. Donc, je vais pas aussi citer les nombreuses parties qu'on a fait sur Call of. Donc Call of étant un jeu vidéo où on a pu passer des week-ends, des journées, des semaines complètes. Je pense pas que ce soit les meilleures années où on était au top au niveau de notre hygiène. Je pense pas qu'on se douchait beaucoup, on mangeait beaucoup. Enfin, pas top. Donc voilà, nous avons gardé en fait un contact malgré notre distance, parce qu'on a été parfois à des grandes distances l'un de l'autre, mais ça n'a pas coupé notre amitié. Au contraire, parfois on a pu être présents l'un pour l'autre dans des moments agréables et un peu moins agréables. Allez, allez, allez. Attends pour moi.
C'est les aléas directs. Non, c'est bon. Attends, c'est quoi ça? Ah, c'est là, merci. Bah, désolé, ma femme est partie. En fait, c'était elle qui devait m'aider. Mais... Excusez-la. Personne filme au moins, parce que... Sinon, je vais me faire défoncer. Donc... En fait, là où je t'admire, c'est que tu dis une rigueur. Franchement, j'ai jamais vu ça. Et enfin, on est vraiment opposés dans ce domaine-là. Toi, t'es rigoureux, très carré, très machin. Là où moi, je suis d'un bordélique puissance 15. Je suis toujours à la bourre. Toi, tu m'annonces d'être là à 10h30, j'ai mis mon truc, mon réveil pour être là à 10h30. Tu me dis, bah non, il faut être là 10 minutes avant, parce que bah, pour être à l'heure, il faut être en avance. Moi, quand je suis 10 minutes à la bourre, je considère être à l'heure. Bon. Tu l'as vu ce matin d'ailleurs. Donc vous avez organisé votre mariage en un an. Moi, il faut savoir que j'ai organisé la semaine d'avant, voire même j'ai fini le matin. Pour ton info, le discours, j'ai fini il y a à peu près une heure. Hein. Je t'ai dit que j'allais pisser. Bon, bah. Heureusement, il y avait une tablette dans les chiottes, donc ça allait impeccable. Bon, mais bon, bah, hein, on va essayer de continuer comme ça. Hein. De toute façon, t'as pas le choix. Maintenant, t'as signé. Merde, je sais plus où j'en suis, pardon. En fait, franchement, j'avoue que je pense que si t'avais su ça, je sais pas si tu m'aurais choisi. Mais bon, maintenant, t'es comme un con, c'est fini. Mais bon, enfin, pour être plus sincère et plus honnête, je t'apprécie beaucoup. Tu es quelqu'un d'entier, d'honnête. Et quelqu'un à qui on peut faire totalement confiance. Et en clair, un vrai ami. Donc j'espère que ça continuera comme ça et que j'espère être toujours ton ami. Ah, c'est pas fini. Mais... Attention, parce qu'il y a une deuxième musique de l'OM après derrière. Hein, donc... Il y a peut-être moins. Enfin bon. Un jour, tu es venu avec Laure. Alors. Laure, je suis désolé par avance hein, parce que je m'en souviens plus beaucoup, parce que c'était le jour de mes 30 ans. La seule chose dont je me rappelle, c'est que je vous dois une tente de secondes. Mais bon, un jour, je vous promets que j'arrive avec, hein, mais ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans? Je sais plus quel j'aime, mais bon, à peu près dans ces horaires. Donc voilà. Nous avons appris à se connaître, Laure, et franchement, vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Enfin, tout est fait pour que ça roule. Clairement, vous êtes au top. Maintenant, vous avez un fils magnifique qui ressemble comme le bouteau quand même à son père et à son grand-père qui est là-bas par là au fond. Hein. Et ben, aujourd'hui, vous vous mariez. Donc, franchement, vous. Tu peux me rappeler ton âge, s'il te plaît? Je rigole. La sortie c'est par là, je pose le micro, je m'en vais après, hein, je vous reviens. Grand-père, vous rêvez. Je suis pas bon. Bon, grand-père, vous vivez, un vrai conte de fées. Donc, le 5, bon, pour revenir sérieux et terminer, clairement, le 5 septembre restera jamais gravé dans nos mémoires, pour nous, et pour vous, j'espère, dans votre cœur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et une merveilleuse vie pour la suite à deux. Vive les mariés! Et vive l'OM! Ça arrive. Thank you.
Alors, Johan Laure, on vous souhaite beaucoup de bonheur. Beaucoup de bébés. Et beaucoup, beaucoup de bébés. Et merci d'avoir libéré la chambre. Tu vois que t'as trouvé des mots. Une chambre en plus, oui. Coucou les mariés. Je vous souhaite plein, plein de bonheur. Je vous fais des gros, gros bisous et super soirée. Génial. Allez, des bisous. Laure et Johan, merci beaucoup pour cette magnifique journée. Merci de m'avoir choisi pour témoin. Je suis ravie d'avoir été là pour vous. J'ai rien à redire, tout était parfait. Je suis ravie pour vous, je vous souhaite que du bonheur encore et encore. Pour ma part, Laure, on se connaît depuis des années. Je suis content que tu te sois fait amie avec Sandra. C'est quelque chose, ça me touche beaucoup. Et Johan, ça a rajouté une dimension, mais que je n'imaginais même pas, quoi. T'as très bien choisi. Rien à voir avec toi, Johan, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est un super gars. Enfin, il est au top. Il est franc. Il est, je pense que c'est un mec. Tu peux pas te tromper avec lui, quoi. Voilà. Félicitations. Ouais, félicitations pour votre mariage. C'était un mariage magnifique. Tous nos vœux de bonheur. Tous nos vœux de bonheur. Bien, on a passé une excellente journée. Il y a beaucoup de choses inattendues, mais tout s'est passé dans la bonne humeur, tout le monde était sympa, donc c'est très bien organisé. Les personnes que vous avez prises, que ce soit pour les photos, la vidéo et tout, c'était super. Je vous souhaite beaucoup de choses, de toute façon on est de revoyure. Allez, au revoir. Allez l'OM. Ah, j'ai improvisé, hein. J'ai niqué la vidéo, c'est ça? Non, moi j'adore ce que vous avez dit, donc ça va couper. Allez. Bon, même nous, on vous remercie de nous avoir invités. Moi, je suis très heureuse d'avoir. Non, j'en parle pas. J'ai dit juste allez l'OM. Allez, donc, je redis allez l'OM. Merci pour la soirée. Elle n'est pas encore finie, donc on compte bien s'amuser. Et on vous aime beaucoup. Voilà. Merci, félicitations et beaucoup de bonheur. Et allez l'OM. C'est bon? Impeccable. Bon. Excuse-moi. Bah écoutez, Laure et Johan, franchement, vous avez fait un mariage merveilleux. Tout est au top, comme d'hab. De toute façon, vous êtes toujours en train de faire les trucs à fond. Et là, franchement, vous l'avez fait à fond. Et c'est top royal. Vous êtes au top. Et restez comme vous êtes. Et soyez heureux. Bisous à tous les deux. Ciao. C'est toi qui parles. Ça filme ou pas? Non, pas encore. Tu me dis. Ah, c'est qui parle alors? C'est lui. C'est ta soeur. Qui parle? Tu les deux, ils montrent l'autre. C'est toi. Allez, c'est sorti. Ta soeur. Eh bien, écoutez, on m'a demandé de vous remercier. C'est pas le cas. Moi, j'ai trouvé que je me suis vraiment ennuyé toute la soirée. Moi aussi. Voilà, on est d'accord. Ben écoute, je sais pas quoi dire. Les gens, bizarre, très bizarre ce soir. En tout cas, je sais pas quoi dire. La jarretière, on l'a gagnée, mais c'était limite. Ouais. Beaucoup de triche de la part des nordistes. On laissait un peu consanguin, mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Nous, on va rentrer, hein. Allez, sur ce. Merci. Voilà, merci. Merci quand même. Hein, merci. Voilà. Allez, salut. C'est bon? Monsieur et Madame Chauveau, je vous souhaite toutes mes félicitations. J'espère bien que vous nous ferez d'autres bébés encore plus beaux que le premier. En attendant cette soirée, j'espère qu'elle sera magistrale. Déjà, le début était bien sympathique. Donc, j'ai hâte de faire la suite avec vous et plus, j'espère. Allez! Bonne soirée, bah, moi aussi, à toi aussi, le Vidas. Et bisous, bisous. Bah, écoutez, déjà, relevez le niveau de la famille, parce que je passe après Alex. Donc, déjà, bah, vous féliciter. C'est un magnifique mariage. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et bah. Vous souhaitez de plus que d'être heureux pour toutes les années qui vous restent à vivre et de très 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 grands moments que vous allez vivre dans les années futures. Félicitations à vous deux et profitez, il n'y a qu'un mot, profitez. Voilà, plus tard. Tu dis aux jeunes mariés. Johan et Laure. Moi, Pinette. Ou chou Pinette. Et moi, nous vous souhaitons. Beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Avec le petit frère, Mimi. Avec Mimi, évidemment. Mais avec un petit frère pour Mimi. Ouais.
Voilà. Et puis, ben, vous remontrez à la maison. Au mois d'août, on doit leur offrir le barbecue. Alors, vous montrez à la maison pour le barbecue. Mais là, je mettrai de l'eau hein, pour l'or. Parce que la dernière fois qu'elle est venue, elle dit qu'ils n'ont pas d'eau chez eux, ils n'ont que du champagne. Ils n'ont que du champagne chez nous, dans la barre. Je vous fais des gros bisous à tous les trois. Et puis, merci pour cette soirée. C'était hyper. Et super. Vraiment bien. À toi, Manette. Et c'était surtout, alors surtout, très bien organisé. Et surtout, on se sent tous très bien. Voilà. On est tous à l'aise. Enfin, je ne sais pas. Je ressens les gens heureux. Vraiment, vraiment, vraiment un mariage super. Réussi. Vous avez peut-être mis un an mais avec Johan, un peu de stress. Mais là, la récompense ce soir, merveilleuse. Allez, des bisous à tous les trois. Plein de bonheur à vous trois. Voilà. Comment ça se résume d'habitude? Alors, il y a ou les félicitations simples, les félicitations, plein de bonheur, on vous aime. Ouais. Ou sinon, vous pouvez me la jouer à. Nous, on est ses cousins. Ses cousins? Charmant. Bien Germain. Ouais, bah aussi. Pour l'instant, on n'a pas fait le. Non, c'est le. Un dîner presque parfait. Tu vois, genre les petites notes ou quoi. Ah, mais on peut le faire ça, ouais. Oui, oui. Pour la note, on est sur 10. Alors, il faut quand même bien expliquer la nourriture, le repas, expliquer l'ambiance, expliquer le décor. Ou... Quel décor ? Le tailler un petit peu. Ah, la nourriture, ouais. Moi, pour la cérémonie. Allez. Eh ben, moi je vais parler du culinaire. C'était un super mariage avec beaucoup de saveurs exotiques, aussi bien bonnes françaises qu'ailleurs. Et on a vraiment apprécié, c'était top, top, top. Vous avez un super mariage. Moi je vais donner à quelle note? Moi je note 11 sur 10. Moi je vais parler de la déco, du lieu, c'était génial. 11 sur 10 aussi. Et moi, c'est la première fois que je pleurais à un mariage, donc je donnerais 100 sur 20. C'était excellent. On vous aime, on vous souhaite plein, plein, plein de bonheur et plein de bonnes choses. Voilà, gros bisous. Gros bisous. Gros bisous. Merci. Action. Johan et Laure, on est extrêmement heureux d'être là ce soir, d'être avec vous pour partager ce moment, cette soirée, ce moment inoubliable. Voilà, donc Julie et moi donc, sommes contents de vous connaître depuis quelques années. On est hyper heureux de vivre ce moment avec vous. On vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. Voilà, on est hyper heureux de vous connaître. On vous souhaite plein d'amour. Et moi, j'espère que tu m'en veux pas pour le discours que je n'ai pas pu faire. Tu sais la timidité que j'ai, voilà, j'y arrive pas. Moi, j'ai fait les animations, j'ai passé mes démons. Et voilà, je te remercie encore Laure, il y a 15 ans, d'avoir rencontré l'homme de ma vie. Et du coup, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Félicitations à vous. Et merci pour le bouquet. Maintenant, il est en panique.